Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'Orangerie. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 DVD autour de l'informatique et des nouvelles technologies. On commence avec une série télé, Mister Robot, une série portée par un acteur qui s'appelle Rami Malek, qu'on a pu voir notamment interpréter Freddie Mercury dans le film Bohemian Rhapsody, une série ultra captivante qui vous remettra en question votre façon d'utiliser Internet et les téléphones portables. On continue dans les dérives informatique avec un film qui s'appelle Existence, un film réalisé il y a quelques années par David Cronenberg, un film qui s'amuse à mélanger réalité et fiction à travers un jeu vidéo futuriste de réalité virtuelle, un film très prenant de David Cronenberg. Moins compliqué, Matrix, grand classique de la science-fiction des années 90. Un film dans lequel les machines ont pris le contrôle de l'humanité et font croire à l'humanité qu'elle est dans sa vie réelle, alors qu'en fait elle est dans une matrice. Les machines modèlent tout et Keanu Reeves, Neo dans le film, va tout faire pour libérer l'humanité du joug des machines. Les machines, la domination des machines est un thème récurrent de la science-fiction et notamment dans ces deux films classique des années 80-90, Terminator et Terminator 2, deux films réalisés par James Cameron avant qu'il ne réalise Titanic. Donc dans Terminator, le premier du nom sorti dans les années 80, Schwarzenegger, le Terminator, est envoyé du futur vers le passé pour éliminer la mère du futur chef de la résistance, et dans le 2, ils doivent éliminer le futur chef de la résistance alors qu'il est adolescent. Deux films d'action et de science-fiction à voir et revoir avec un grand Arnold Schwarzenegger. On continue dans des choses plus légères avec Effacer l'historique, un film sorti l'année dernière, une comédie déjantée de Delépine et Kervern, un film dans lequel trois personnes d'une petite ville de province ont des soucis avec les nouvelles technologies, entre une qui est menacée par le chantage d'une sextape, une autre personne qui a des mauvaises notes sur un site et une autre dont la fille est harcelée sur les réseaux sociaux. Et ces trois personnes vont s'unir pour aller détruire les GAFA, les grands géants économiques d'Internet. Une comédie très déjantée, politiquement incorrecte, enfin c'est du Delépine et Kervern, un film à voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.